C'est en plein cœur de Montélimar, sur la Nationale 7, célèbre par ses bouchons, que les Montiliens et touristes ont pu assister à la première fête du nougat dans la capitale mondiale du nougat, Montélimar. La foule était nombreuse dès l'ouverture des portes du village des Nougatiers, mise en place à l'occasion de cette grande fête du nougat qu'a voulu le député de la Drôme et maire de Montélimar, Franck Régnier. Cette fête du nougat, elle était attendue à Montélimar. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie depuis quelques années de réaliser cette manifestation parce que quand on parle du nougat, on parle souvent de son histoire, on parle souvent de son passé, on parle de l'époque de la Nationale 7, on parle de ces moments qui peuvent paraître pour certains des moments nostalgiques. Mais le nougat, il est bien vivant, il est bien présent et le nougat, il a un grand avenir. Alors c'est pour ça que cette première fête du nougat, elle est essentielle pour communiquer, pour faire la promotion de cette belle spécialité de Montélimar. Les 11 maîtres nougatiers présents ont su mettre en valeur cette friandise que les visiteurs ont pu toucher, déguster et acheter. À l'arrivée de la confrérie du nougat de Montélimar, la parole a été donnée à Ginette Tortosa, la présidente de l'office de tourisme de Montélimar. Il a fallu près de 9 mois pour aboutir à ce beau projet collectif, réunir et convaincre, mettre en place, fidéliser, communiquer. Nous avons élaboré un programme susceptible d'intéresser toutes les générations, tous les publics, les Montiliens comme les visiteurs, en passant du passé au présent et jusqu'à utiliser les nouveaux moyens de communication que sont les QR codes et les prémices de la réalité augmentée. J'adresse enfin les plus vives félicitations à toute l'équipe de le tourisme de l'agglomération de Montélimar, à sa directrice Emmanuelle Rivas, renforcée pendant quelques mois par Maxime Favre, pour leur investissement à donner le meilleur pour la réussite de cette première fête du nougat de Montélimar. Je voudrais pour conclure te remercier, cher Franck, d'avoir osé miser sur l'organisation de cet événement, ainsi que tu l'avais annoncé dans ton projet de mandat, et d'avoir mis autant de moyens humains et financiers sur la table. Je suis persuadée que les nougatiers seront appréciés ce geste en faveur du nougat, des festivités et des retombées économiques et locales. Franck Régnier a pu prendre à son tour la parole pour nous dire ce que représente la ville de Montélimar. Quand on dit Montélimar, à peu près spontanément, les gens vous répondent nougat, bouchon et mistral. Alors pour cette première édition, on a organisé ça un week-end de départ en vacances. Donc je pense que sur l'autoroute A7, je suis même sûr, les bouchons de Montélimar sont bien représentés. Le Mistral est au rendez-vous, mais le Mistral, il a quand même des particularités et des avantages. Si autant de peintres, si autant d'écrivains, si autant d'artistes ont choisi de venir sur notre territoire, c'est parce que le Mistral chasse les nuages et apporte cette lumière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc Montélimar avec ses bouchons, avec son Mistral, et puis bien entendu pour cette première fête avec son nougat. Et le député-maire a pu se dévoiler un peu en nous parlant de ses passions. L'occasion m'est donnée de pouvoir partager avec vous des passions. La première, c'est celle de Montélimar, bien entendu. Et la seconde, c'est celle du nougat, et je voudrais vous expliquer pourquoi. Le nougat est au cœur de l'ensemble des Montiliens, mais c'est une longue histoire d'amour. Il faut que vous sachiez qu'au début du XIIe siècle, nous trouvons des traces du nougat dans certains livres. Puis les Phéniciens, grand peuple de commerçants, pas encore commerçants montiliens, mais grand peuple de commerçants, vont répandre cette délicieuse friandise sur les rivages de la Méditerranée. Dès le Moyen Âge, le nougat blanc de Marseille, connaît une bonne renommée, puis sa confection va se développer dans toute la Provence et dans le sud-ouest. Et c'est avec beaucoup de ferveur que Franck Régnier nous a parlé d'Émile Loubet. C'est plus illustre personnage de notre ville, originaire de Marsanne. Il sera tour à tour maire de Montélimar, député, sénateur et enfin président de la République française de 1899 à 1906. Émile Loubet valorise son patrimoine local
et offre généreusement des nougats à toutes les personnalités qui lui rendent visite au palais de l'Élysée. Alors profitons tous de ce savoureux moment dédié à la promotion de notre nougat et à la gourmandise. Tout au long de ce week-end, dégustons, dégustons et dégustons le meilleur nougat du monde. Vive Montélimar et vive le nougat de Montélimar! Et c'est avec une vive émotion que la compagnie théâtrale L'Histoire en spectacle a fait revivre Paul Gauthier et Émile Loubet. Cher Montilien, bonjour! Ce n'est pas sans une certaine joie, atteinte et émotion que je me présente aujourd'hui devant vous. En ce 21 juillet 2012, tu entends, Émile? 2012! Que de temps parcouru, que de temps! Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais comme on dit maintenant, pour ce week-end, oui, pour ce week-end, Montélimar a trois maires. Émile Loubet, maire de la ville jusqu'en 1899, moi-même, Paul Gauthier, maire de 1899 jusqu'à la fin de mon mandat, et le maire actuel, Franck Reynier, maire actuel, jusqu'aux prochaines élections. Lorsque je me souviens de Montélimar, en cette fin de 19e siècle, lorsque nous sommes arrivés hier avec Émile, nous avons trouvé la ville bien changée. Force est de constater que les générations après nous ont bien œuvré, en particulier le maire actuel, n'est-ce pas Émile? Ah, le petit genou, il s'est défendu. Il a bien travaillé, le genou, oui. Ah, c'est très bien. C'est très bien, mon petit gars. Monsieur le maire, on a fait remarquer qu'il y a un maire de plus, donc nous sommes quatre. Où il est? Thierry Cornier. Ah, quatre maires. Cette première fête du nougat était l'occasion de faire découvrir les produits locaux avec un marché du terroir où 45 exposants avaient posé leur étal pour le plus grand plaisir des visiteurs. Et une première fête du nougat, Franck Reynier, qui a été très médiatisée. Oui, tous les médias, effectivement, locaux, bien entendu, mais nationaux s'y sont présents. J'ai eu le plaisir hier matin de faire aussi Europe 1, allô monsieur le maire à 5h du matin. Ça a aussi des avantages d'être maire de Montélimar et d'avoir des manifestations comme celle-là. Donc ça apporte un éclairage, effectivement, qui relaie la notoriété qui est celle de Montélimar et qui lui donne une image contemporaine, une image présente, qui montre aussi le poids économique du nougat de Montélimar, parce qu'il faut savoir que 5000 tonnes de nougat sont produites chaque année. Il faut savoir qu'il y a 13 nougatiers et qu'il y a aussi sur notre ville 300 emplois qui sont réalisés grâce au nougat. Alors c'est un moteur économique, c'est un acteur économique majeur, mais c'est aussi un acteur économique qui en relaie beaucoup d'autres, puisque pour le tourisme, c'est les restaurants, sont les hôtels, c'est toute notre Drôme provençale et tout ce territoire qui, grâce à Montélimar, eh bien, profite de cette notoriété. Et puis les maîtres nougatiers se sont succédés sur la scène pour montrer leur savoir-faire, donner la recette du nougat de Montélimar, répondre aux questions et partager le nougat juste cuit. Les organisateurs étaient satisfaits de cette première édition, à l'image d'Emmanuelle Rivas, directrice de l'Office de tourisme de Montélimar. Moi, je suis agréablement surprise, non pas qu'on ne s'attendait pas à une telle réussite, parce qu'être la capitale du nougat et faire pour la première fois une fête du nougat de Montélimar avec les moyens qui ont été mis en place pour communiquer largement, très en amont sur cette fête du nougat, permet forcément d'avoir un retour sur investissement et d'avoir cet engouement de la part de la population locale, mais aussi des visiteurs de la région et des touristes qui sont venus spécialement pour l'occasion. Donc on ne s'attendait pas à un tel succès, on s'attendait à ce que ça fonctionne bien la première année, mais avoir une telle réussite, effectivement, c'est, je crois que dans l'esprit de tout le monde, c'est la première fois qu'on voit Montélimar avec autant de monde. Mais c'est aussi une réussite d'avoir réuni ces 11 nougatiers ici dans un village des nougatiers. Alors c'était un pari ambitieux, celui de fédérer toute la profession qui a elle-même quelques difficultés, on peut le dire, depuis pas mal de temps à rester unie, à travailler, à jouer du collectif.
Et puis ben, on a voulu jouer ce pari puisque la commande de Franck Régnier, le député maire de Montélimar, était véritablement de faire un événement qui soit le plus populaire possible, bien sûr, mais surtout de présenter le produit qui est le nougat de Montélimar, la spécialité, et le mettre véritablement à l'honneur. Et on ne peut véritablement pas mettre à l'honneur le produit sans les nougatiers autour de la table. Et effectivement, le challenge est bien gagné, je crois, puisque 11 des 13 nougatiers sont présents dans ce village des nougatiers. Et pour cette première fête du nougat, personne n'a été oublié, ni même les enfants. Une festivité comme celle-ci, je ne voudrais pas m'avancer, mais si je lance qu'on a eu 80 000 personnes sur ces deux jours de fête, je crois que je ne serai pas loin. On n'a jamais vu ça à Montélimar, donc forcément, une première fête du nougat de Montélimar avec 80 000 personnes, et ben c'était un beau challenge, un beau moment festif, un beau moment de fédération des différentes professions, et voilà, une belle satisfaction personnelle forcément aussi. Cette première fête du nougat a marqué tous les esprits et restera dans l'histoire comme la plus grande fréquentation des animations de Montélimar.